Alors, je vous ai déjà présenté dans la journée un jeu de combat sur Thomson qui s'appelle Duel 2000. Là, je vous en présente un autre qui a été développé par Softbook en 1987 sur les Thomson, toute la gamme Thomson en fait, TO7 à TO9 Plus, en passant par les MO5, et sur l'Amstrad CPC. Ça s'appelle Kung Fu. Et c'est développé par Bernard Fouché. Je lui fais un petit clin d'œil parce qu'il m'a envoyé un message sur une autre de mes vidéos disant qu'il était l'auteur de Kung Fu et de Loran. Donc je parle de lui là pour l'auteur de ce jeu. Donc on va le lancer. Donc c'est un jeu de combat. Hein, en fait, on a le choix au départ de choisir l'entraînement en étant en duel ou en faisant la mission en étant dans le raid. Alors en fait. En fait, on a la mission, le raid, c'est le but. Le but, c'est soi-disant délivrer une princesse, mais en fait, c'est juste prétexte à des combats. En fait, vous verrez que je trouve ça hyper drôle ce jeu de combat. Il est plutôt bien réussi, mais bon, malheureusement, il y a pas de variété dans les personnages. Il y a que deux personnages, enfin un seul personnage qui s'appelle Genzo et puis Moraka pour l'ennemi. Donc, on va lancer le jeu. Les bruitages sont assez drôles en fait. J'ai bien compris. D'accord. Alors je suis le vert. Hein. Faut tester différents trucs, mais apparemment les coups de pied dans la tête ça marche plutôt pas mal. Ouais, les coups de pied à la tête ça marche plutôt pas mal. C'est très efficace. Voilà. Vais refaire la même technique, on verra bien. Qui arrive, hop. Bon, je sens que j'ai pas tardé à me faire avoir, moi. Ah mince, il m'a eu. Voilà, alors si j'appuie sur action, qu'est-ce qui se passe? On redémarre là. Enfin, c'est un bon petit jeu, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de variété dans les combattants. Il y a que ces deux-là. Alors. Là, j'ai suffisamment d'expérience. Enfin, j'ai eu suffisamment de points de vie. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Hop.
coup à la tête, ça lui fait perdre une mi-case à chaque fois. Donc là, je vais bientôt l'avoir. Hop. Ah, c'est bon. J'ai beaucoup de points de vie là, 21 000 points. Enfin, je sais pas si je vais m'en sortir. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a les petites étoiles qui scintillent. Et quand il y a l'eau, en fait, quand il y a l'eau de la rivière, on la voit qui bouge comme dans Interstellar Karate, dans le jeu Interstellar Karate. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, on est caché par les arbres. Si je suis arrivé à passer les trois premiers, hein. Hop. Ah, je l'ai eu. Est-ce que j'ai des points de vie supplémentaires? Ah bah non. On change de décor, mais on garde pas de points de vie. Ça, c'est un peu dommage. Là, je vais perdre, c'est sûr. Voilà, bon, 24 000 points, c'est plutôt pas mal. Donc, c'était Kung Fu, écrit par Bernard Fouché, de Softbook pour les ordinateurs Thomson et Amstrad CPC. À très bientôt pour une prochaine vidéo.